Hey, salut tout le monde, c'est Axel Eponge, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur GTA 5 pour vous montrer comment ne plus galérer pour remplir vos entrepôts club de motards et PDG. Mais bon, PDG c'est plus club de motards, hein, parce que dans PDG ben, on est obligé d'aller chercher, donc du coup c'est pas vraiment le but. Le but c'est plus pour vous montrer comment remplir votre matière première et le vendre. Donc vous demandez sans doute pourquoi je suis souvent seul dans la session, pourtant je suis dans la session publique. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment on peut être seul dans la session publique. C'est très simple, vous verrez. Mais d'abord je vais vous montrer la solution pour remplir. Et bon, après vous pouvez remplir en faisant des missions, mais vous pouvez aussi remplir en achetant les matières premières. Bon, tout ça, vous n'avez pas besoin d'aller dans vos entrepôts pour aller à chaque fois dans l'entrepôt et ensuite bah, chercher les matières premières. Bon, allez, je vais vous montrer tout de suite devant l'écran. Bon, évidemment, là, je suis dans la salle d'arcade. Hein. Vous avez sans doute remarqué que je suis sous le sol de la salle d'arcade. Mais cette vidéo, je précise que peut-être qu'il y en a complètement, enfin même certains, il y en a qui vont complètement rien à foutre de cette vidéo parce que ils ont l'habitude de faire des glitches ou de faire des trucs, des triches tout simplement. Mais je m'adresse à des gens qui sont à peu près réglo, on va dire. Donc ça, ça coûte très cher, ça. Ça coûte un million de dollars, ces petits joujoux de setup. Mais ça vous rend extrêmement, enfin ça vous facilite la vie. Bah tout ça, tout simplement, il faut aller sur l'ordinateur. Là c'est classique, hein. Vous appuyez sur X. Une fois que vous avez appuyé sur X, donc là vous voyez tous vos entrepôts que vous avez achetés. Ici j'ai la boîte de nuit, j'ai pour trafic d'armes, j'ai aussi pour atelier cocaïne. Enfin, j'ai pas de cannabis pour l'instant, j'ai pas encore acheté, mais sinon j'ai tout acheté comme entrepôt. Donc pour ça, bah, il suffit juste d'aller sur, si vous voulez le remplir, il suffit juste d'appuyer sur le carré. Voilà, admettons si vous voulez mettre trafic d'armes. Mais par contre, si vous appuyez sur le carré pour trafic d'armes, vous allez vous diriger vers le PDG. Mais moi, je vais aller sur Club de Motard. Là, j'appuie sur le carré. Hop, voilà, je suis dans le réseau Club de Motard. Donc, et après, il faut appuyer sur X. Évidemment, vous cliquez sur réapprovisionnement ou sur vendre. Comme vous voulez, si vous voulez le vendre, vous cliquez sur vendre, ainsi de suite. Donc là, je vais réapprovisionner, je vais acheter. Et vous avez aussi le choix de faire des missions. Là, j'appuie sur rond. Évidemment, il faut attendre un petit peu le temps que ça charge. Alors ici, je vois que je peux finir comme ça. Ici, c'est bon. C'est rempli. Il suffit juste d'attendre. Ici, il me manque encore beaucoup. Je peux encore acheter. Voilà. Donc comme je disais, vous pouvez voler des matières premières, hein. Maintenant je vois plus l'utilité. Comme en ce moment j'ai trouvé une nouvelle activité pour faire des courses et tout ça. Maintenant j'adore faire les courses, donc au lieu de faire plus que ça toute la journée, bah, je peux acheter les matières premières en attendant que ça charge. Bah, je fais mes courses voiture ou moto ou d'autres véhicules. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour être seul dans la session. Je pense que la majorité d'entre vous se doute sûrement, mais je vais vous montrer quand même. Donc, je vous précise que je suis sur la PS4, donc après, sur les autres plateformes, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Allez, on se retrouve tout de suite, mes amis. Pour ça, vous allez dans le menu principal, vous cliquez sur Paramètres, Réseau, Configuration Internet. Vous choisissez entre câble LAN ou Wi-Fi. Moi, je suis connecté sur Wi-Fi. Ensuite, vous personnalisez. Une fois que vous êtes dans votre connexion Internet, vous allez dans Automatique. Automatique, ce qui nous intéresse, c'est le MTU. C'est le plus important. Donc, vous allez sur Manuel.
au lieu de mettre 1500, vous mettez 900. 900, c'est préférable si vous voulez inviter des amis qui peuvent vous aider dans votre session. Donc, le plus idéal pour moi, c'est 900. Donc, vous cliquez sur terminer et suivant. Voilà, une fois que c'est fait, soit vous faites le test, c'est préférable de faire le test. Voilà mes amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'hésitez pas de cliquer sur like, de faire partager. Et toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, d'appuyer sur la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao, ciao!